Hey, bonjour à tous les aliens, mon nom est Spike. J'espère que vous allez bien, parce qu'on va parler, les gars, ça va super bien, comme d'habitude, super content encore aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de leak et de news sur Fortnite. Et vous savez très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers du jeu. Du coup, alors on va directement commencer avec ces informations super super intéressantes. N'hésitez pas à lâcher, comme d'habitude, un gros pouce bleu si elles vous plaisent, et nous on va y aller directement. Alors maintenant, on va directement commencer avec l'information la plus intéressante de la vidéo, bien évidemment. Ici, sur Twitter, j'ai trouvé des gens qui donnaient encore des codes pour le skin Renegade. Du coup, voilà, j'ai vraiment été super, super étonné, étant donné que c'est un skin super ancien et super, super rare. Du coup, n'hésitez vraiment pas à aller l'obtenir si vraiment vous souhaitez avoir ce skin, parce que franchement, il est vraiment super, super rare. Et voilà, n'hésitez vraiment pas avant que ça disparaisse à tout jamais. Alors maintenant, on va encore parler du Fortnite chinois, tout simplement parce qu'il y a un événement assez bizarre qui est en train de se dérouler dans le Fortnite chinois. Il y a tout simplement l'événement Tomate versus Burger. Vous savez très très bien que pendant la saison 10, on avait vraiment la hype à fond pour qu'il y ait un événement Tomate versus Burger, mais il n'y a jamais rien eu, ça a été abandonné. Et ici, juste pendant le chapitre 2, eh bien en Chine, il y a l'événement Tomate versus Burger. Du coup, c'est vraiment super intéressant. Peut-être que ça va bientôt arriver en Europe et aux États-Unis. Franchement, j'en sais rien du tout. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur cette chaîne YouTube, vous le savez très très bien. Alors maintenant, une information super super intéressante d'un joueur qui a tout simplement réussi à faire spawn plein de poissons dorés en illimité en créatif. Voilà, normalement en créatif on ne peut pas faire spawn le poisson doré, mais lui par glitch ou par des fichiers du jeu ou quoi que ce soit, il a vraiment réussi. Du coup voilà, c'est vraiment super intéressant, je tenais à vous l'afficher pour un petit peu que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le poisson doré. En tout cas franchement très très intéressant, je sais pas comment il a fait, mais j'aimerais bien savoir. Alors maintenant, petit rappel tout simplement pour dire à toutes les personnes qui aimeraient bien obtenir la pioche Halloween de vraiment vous dépêcher, parce que franchement il reste pas beaucoup de codes pour l'obtenir. Du coup vraiment n'hésitez pas à aller sur internet, vous pouvez les acheter, vous pouvez les gagner grâce à des concours etc, tout comme le skin Renegade que j'ai présenté en début de vidéo. Du coup vraiment n'hésitez vraiment pas, parce que c'est vraiment les derniers. Du coup si vous voulez obtenir cette pioche vraiment super super rare, c'est le moment, c'est l'instant. Alors maintenant, information super intéressante qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu aussi. Voilà, tout simplement, on a trouvé un équipement de médecine. Du coup, vous pouvez voir qu'ici, il y a tout simplement deux petits screenshots. Du coup, un espèce de pack de médecine et un espèce d'œil mécanique comme ça. Enfin voilà, en tout cas, c'est nommé équipement de médecine. Du coup, ça va fort bientôt arriver dans le jeu, dans Fortnite. Du coup, franchement, on attend un petit peu plus d'informations. Moi, en tout cas, je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Alors maintenant, avant de terminer cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à vous présenter le skin qui a été introduit par Fortnite aujourd'hui dans la boutique. Il s'agit du skin chien qui est de retour. Voilà, tout simplement un skin vraiment très stylé et classique, plus un camo, plus une pioche en os en or. Voilà, tout simplement, du coup, très stylé. N'hésitez vraiment pas à vous le procurer si vous en avez l'envie, parce que voilà, c'est là pour une durée limitée. Du coup, n'hésitez vraiment pas, je le trouve très stylé. Donc voilà les aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que tous ces petits leaks de Fortnite chapitre 2 vous ont mis la hype pour la suite, parce que moi franchement j'ai vraiment super la hype pour la suite du chapitre 2. N'hésitez pas à lâcher aussi un gros pouce bleu si c'est le cas pour vous, et n'hésitez pas aussi, le plus important, à vous abonner, parce que vous savez très bien que toutes les informations de leaks, de news etc se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup voilà, si vous voulez toujours rester 100% informé, la meilleure chose que vous avez à faire c'est vous abonner. Les gars, c'était Speakeasy, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos de leaks, de news, d'astuces etc sur Fortnite. À la prochaine les aliens.